La jeune Sophie Rostopchine, plus connue sous le nom de comtesse de Ségur, est lasse de la vie parisienne qu'elle trouve étouffante. En 1821, elle fait l'acquisition du château et de la terre des Nouettes à Aube. Ironie du sort, les Nouettes appartenaient à un général napoléonien ayant combattu le père de Sophie, alors gouverneur de Moscou, pendant la campagne de Russie. Dans cette propriété de 72 hectares dont elle fait la résidence de vacances de sa famille, elle passera les plus beaux moments de son existence. À Aube, elle retrouve un peu de la Russie de son enfance. Les bouleaux et les peupliers, les grands espaces, la nature. Une campagne qu'elle parcourt seule dans des tenues jugées excentriques par la sage province. Mais la comtesse est une vraie terrienne, férue de techniques agricoles, et c'est avec passion qu'elle s'investit dans la gestion de son domaine. De nombreuses années passent, et durant l'été, les Nouettes résonnent des rires des enfants, puis des petits-enfants de la comtesse. Celle-ci a pris l'habitude de rédiger des histoires sous forme de contes qu'elle leur raconte pour leur plus grand plaisir. C'est ce qui va marquer son entrée tardive, elle a 57 ans, en littérature. Eugène de Ségur, le mari de la comtesse, impliqué dans le transport ferroviaire, a transmis l'un des manuscrits de sa femme à Louis Hachette, qui cherche à étoffer l'offre de livres jeunesse dans les kiosques des gares. Écrivain prolifique et de talent, Sophie devient vite l'auteur vedette de la toute nouvelle Bibliothèque Rose, dédiant chacun de ses livres à un membre de son entourage. N'écris que ce que tu as vu était son credo. De fait, dans ses romans, on retrouve sous des noms différents des membres de sa famille, de son village ou des Nouettes. À l'instar des petites filles modèles, clairement inspirées de ses petites filles Camille et Madeleine. L'industriel de la fortune de Gaspard est inspiré quant à lui de l'industriel Mouchel, le propriétaire de la forge d'Aube, située à quelques encablures des Nouettes. Toute sa vie, la comtesse de Ségur fut très pieuse. On imagine qu'elle prend plaisir à se rendre dans la petite église d'Aube que l'un de ses fils, devenu évêque, a fait entièrement restaurer. Hélas, pour son plus grand malheur, Sophie ne finira pas sa vie aux Nouettes car le domaine fut vendu. Elle s'éteindra quelques années plus tard à Paris, loin de ses peupliers.